Alors David Abiker vient de faire son entrée dans ce studio. Bonjour David. Bonjour Elena, bonjour les experts. Vous avez quelque chose à me dire ? J'ai une chronique à faire, comme tous les jours. Vous savez que je vous parle en priorité. Elena. Alors justement, le thème du jour, faut-il toujours tout se dire ? Vous avez une réponse qui dit tout le contraire. Oui, je vais commencer par une histoire de la mythologie qui raconte quelque chose d'intéressant. C'est l'histoire du roi Midas. Ça va plaire aux enfants. Les enfants adorent la mythologie. Le roi Midas, il aimait la musique et un jour, il a dû arbitrer un concours de musique entre un dénommé Marsyas et Apollon, le dieu. Alors, Apollon jouait de la lyre et Marsyas de la flûte. Alors, chacun joue sa petite musique et puis à la fin, le roi Midas désigne le gagnant et c'est Marsyas, c'est le vainqueur. Mais Apollon se venge d'avoir perdu le concours et il jette un sort au roi Midas. Et le lendemain matin, Midas se réveille avec des oreilles d'âne. Voilà, comme ça. C'est pas très saillant. Et puis un peu plus tard, il décide de se faire couper les cheveux et son coiffeur, qui devait s'appeler Magnétis ou quelque chose comme ça, son coiffeur découvre que le roi a des oreilles d'âne. Et c'est là que j'en viens à notre sujet, parce que je vous sens frissonner. Va-t-il me dire ce qu'il a à me dire sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui ? Le coiffeur est tellement terrifié de voir les oreilles d'âne qu'il s'enfuit et il trouve un terrain vague. Il creuse un trou auquel il confie son secret. Il creuse le trou dans la terre. Comme ça, et il chuchote. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Voilà pourquoi je ne suis pas sûr que l'on confie toujours ce qui nous paraît très important à ses proches. Je pense même le contraire. Je vous donne trois autres exemples qui sont plus récents. Tout le monde vous le dira, mais souvent on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas ou bien pas du tout. Et c'est à lui ou à elle qu'on dira les choses les plus personnelles. Par exemple sur Internet, il suffit d'un pseudo, d'un forum, d'un blog. Et paf, vous balancez tout à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le journal intime, c'est pareil, c'est le trou du roi Midas. On met dans son journal intime, on raconte et on est sûr qu'on ne sera pas jugé. Un autre exemple, dans les feuilletons les plus cucus qui passent à la télé, et Dieu sait qu'il en passe des feuilletons cucus, quand les scénaristes veulent nous suggérer que Kevin et Kevinette, qui ne se connaissent pas, vont tomber amoureux l'un de l'autre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un dialogue de confession entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Ce dialogue peut donner ceci. « J'ai perdu mes parents à l'âge de 5 ans et demi. J'ai beaucoup souffert. » Tu sais, Kevinette, moi aussi j'ai perdu mes parents à l'âge de 8 ans et demi et j'ai encore plus beaucoup souffert. Et généralement, quand il y a une scène comme ça de confession entre deux jeunes gens dans un feuilleton télé, qu'est-ce qui se passe une heure après ? Ils tombent amoureux. C'est très curieux. Dernier exemple, on est à Vienne, à la fin du 19e siècle, et un garçon auquel il arrive des choses extraordinaires va voir quelqu'un et s'allonge sur un divan. La personne qu'il ne connaît absolument pas va lui demander de l'argent pour que l'autre lui raconte ses rêves. Ouais, ils se connaissent pas et l'autre se confie, raconte ses rêves et ça lui fait un bien fou. Ça s'appelle la psychanalyse. Il est content, Pascal Nevey. Ouais, bien sûr, et qui montre qu'une fois de plus, en matière de confession et de secret, eh bien, les proches sont comme les cordonniers. Ils sont souvent mis au secret. Non, alors, merci David. Ce que je constate, c'est que, le confessionnal, ça n'est plus dans les petits films avec Kevin et Kevinette. Aujourd'hui, c'est carrément dans la télé-réalité où on va se confier à la terre entière, à tous ceux qu'on ne connaît pas. La deuxième chose que je note, c'est que finalement, le vainqueur dans l'histoire, c'est le joueur de pipeau. Pourquoi donc ? Bah dans votre histoire, c'est lui qui a gagné le concours de musique. Oui, c'est celui qui a gagné le concours de pipeau. Mais sur la télé-réalité, ne confondons pas une vraie confession ou une vraie analyse avec de la débilité. C'est tout à fait différent quand même. Merci David pour ce...